Rebonsoir Claude. Oui, je suis désolé, je cours là. Désolé encore de te ronger. C'est juste pour répondre un petit peu à la polémique, comme quoi tu avais fait des déclarations concernant l'équipe nationale d'Algérie. Mais je ne peux pas répondre à une polémique pour laquelle je n'ai jamais fait la bonne déclaration. Donc tu confirmes que tu n'as fait aucune déclaration à un média ivoirien. Bien sûr que non. En plus, moi je ne me suis jamais permis dans ma vie de critiquer qui que ce soit. Parce que c'est pas du tout. Il y a assez de gens qui sont payés pour emmerder le monde et faire des polémiques à longueur de journée. Moi c'est exactement la réflexion inverse que j'ai depuis toujours, à savoir. De quel droit je pourrais me permettre de critiquer le milieu de terrain algérien? En plus, c'est un vrai joyau, ce milieu de terrain. Donc. C'est vrai, en plus, c'est un vrai joyau. Hein. Beaucoup de sélections ont viré à l'Algérie d'avoir un tel milieu de terrain. Bien sûr, donc, c'est tellement stupide. Je sais pas qui a pu inventer ça. Hein. En tout cas, merci beaucoup Claude de nous avoir accordé ces quelques instants. Non, juste pour répondre que j'ai rien à répondre puisque j'ai absolument rien dit. Voilà, donc... En plus, c'est exactement le contraire de tout ce que je pense, quoi. Ben, merci beaucoup. En plus, j'ai tellement de respect pour cette équipe d'Algérie, pour ce qu'ils font. Je trouve que bon, ils ont raté la qualif. Pour la Coupe du Monde, il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent à ça. Mais ils ont fait tellement de belles choses depuis tellement d'années que une péripétie, ça n'est pas bien grave. Ben merci beaucoup voilà. Claude. À très bientôt. Salut. Merci beaucoup.